Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Dans ce nouvel épisode, donc mission critique, opération châtiment, nous allons détruire un barrage qui alimente une centrale hydroélectrique ennemie. Pour ce faire, on va larguer une bombe rebondissante expérimentale. Vous volerez à basse altitude face au canyon anti-aérien ennemi. Alors, donnez tout ce que vous avez. D'accord. J'aurais peut-être dû réviser mes fuselages. En fait, je vais prendre du flak dans la bouche. Nous avons chargé le bombardier de la bombe rebondissante pour détruire le barrage. Ne vous laissez pas, ne la laissez pas subir de dégâts. Ok. Opération Trollolol. Très bien. Tac, paf, décolle. Accélère mon pote, pas toute la journée. On rentre le train. On se penche. Parfait. Ah ouais, on va redescendre encore sur toute la Belgique. Si je reprends. Tu vois rien du tout toi? Ok. J'ai compris, on sera en basse altitude. Ouais, fais ta plongée. Non? Non? Bon, vaut mieux que ça pète maintenant que tout à l'heure quand je serai en combat. On dira que c'est mieux comme ça. On va par là-bas. Tu vas bosser, Fraser, plus vite! Ce mec est tellement mauvais mécanicien que tout tombe en panne tout le temps, c'est de sa faute! Fraser, tu sais pas réparer, y'a tout qui pète! Brutis de con. Chasseur ennemi repéré sur le radar. Formidable. À la radio. Cinquante chasseurs fois cinq. Ok, d'accord. J'ai besoin que tu ailles recharger. La moitié de notre carburant, tu déconnes, vieux? Non. On n'est pas encore arrivé sur l'objectif qui nous reste. Déjà la moitié de notre carburant, c'est une blague. Non, c'est une blague que tu nous fais, vieux. Fraser, à première vue, t'as du boulot. Arrête de rien glander. Ah, oh putain, j'ai une perte de carburant. Me dis pas que j'ai une fuite de carburant. Fraser, ça t'emmerderait de faire ton travail. On va avoir des emmerdes.
3 heures, ça va pas tarder à péter partout. Pêche-toi, Fraser, ça pète de partout. Pas bien de te grouiller le fion. Ça, putain, Fraser, y'a tout qui pète! Fraser! Boss! Sac à merde! Non mais, oh! J'arrive plus à cliquer sur mes mecs, c'est chiant. Je balance du coup, j'en ai rien à foutre. Maximal. Je vois pas les chasseurs pour l'instant. On va commencer à se mettre en position. Belle, s'il te plaît. Belle, mets-toi ici. Okay. Qu'est-ce qu'on a qui crame là? On a rien qui crame. Très bien. Ok. Quoi? Ouais, dis-moi, je dis quoi? Johnstone, il commence à faire la gueule. Embêtant. Oxtraff, recharge. Il va te soigner plus tard, vieux. Rends-toi à ta place. Je vais te ralentir. Ah merde! J'ai raté mon largage! Ok, bon bah j'ai merdé pour détruire le barrage. Ça me vénère. Clairement. Clairement, je suis vénère. Surtout que sur cette mission, tout est tombé en rade tout le temps. Mission de ses morts, marquage auto s'il te plaît. Belle, s'il te plaît, si tu voulais bien revenir à ta place, ce serait merveilleux. Est tombé, il faut que tu passes au niveau moyen, machin. Et que tu plonges. Et tu resteras en bas. Gray est couché, ouais, mais c'est pas très grave. De toute façon, t'étais un connard. T'as toujours été qu'un connard. Ah, par contre, s'il te plaît, si je pouvais au moins choper ça, merci. J'ai plus le moteur d'un côté.
intéressant ça. Ah, c'est très intéressant ça. T'as des munitions toi? Ok. Le mec de la radio, tu veux pas me faire un marquage auto et une reconnaissance s'il te plaît? Merci, ça serait bien aimable. Retourne faire ton boulot toi. Razer, retourne faire ton boulot aussi. Par contre les mecs, j'en ai marre de prendre la sauce, alors si vous pouviez bien les envoyer en enfer, ça serait quand même superbe. Sérieux, ils ont vraiment buté tout mon équipage comme ça? Mais non! Mais non! Mais non, c'est une blague! Mais non, c'est une blague! Mais non, mais c'est une blague! Le mec, il m'a mis une volée de balles, il m'a buté tout mon équipage d'un coup! Non! Bah écoutez. Expérimenté, 25 missions à première vue, bah écoutez. Le canard déplumé est mort. Le canard déplumé et tout son équipage est allé se faire voir chez les Grecs. Très triste. Je suis très triste parce que littéralement c'est une volée de balles qui m'a massacré tous mes gars. Qu'est-ce que c'est? Ah, survie en terre. Ah, d'accord, c'est une roue. Ok, sauvé. Ah. Ah bah là c'est... Ah non, sauvé aussi. Sauvé aussi. Ah bah non, mort. Fallait pas déconner non plus. Ça faisait quand même beaucoup de chance de rester en vie. Le pigeon, un bon investissement. Ok. Du coup, je suis obligé de recruter tout un nouveau personnel. Je suis un peu vert parce que là, c'est vraiment une rafale de mecs, une rafale de balles qui a tué tous mes gars devant. Et tant que je capte que ça avait buté tout le monde, c'est ouf quoi. J'ai demandé à un gars de se déplacer pour aller en soigner un, hein, ils sont tous morts. C'est voilà. C'est concept. Ah, 3 d'armure. 3 d'armure, on discute, hein. Ah oui, mais l'autre est à 5 déjà. Mais non, je vais le prendre à 3, mais avec 3 d'armure. Je vais la prendre, du coup, parce que c'est une femme. 300%, 300%, vous êtes exactement le même mec. On va peut-être se choisir d'abord un gunnar. Un gunnar, 110 de vitesse, intéressant. 102 d'armure. Avec 4, je te prends. Et tu es remplacé par Rod qui m'intéresse pas spécialement. Qui a 4, 4, 5, presque 6 avec 110 de déplacement. Je te prends. Bombardier. Ouais, bah celui qui a le plus haut niveau parce qu'il y en a. Ouais, c'est toi la plus intéressante. Allez, votre équipage est plein, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, allons-y pour payer la douleur. T'as dit, mécanicien avancé, en vrai, elle est cool. Ouais, elle est pas mal. J'ai peur qu'elle soit pas assez fort parce que ce qu'il me faut, c'est ça. Équipement tête. Ah, attendez, c'est le mécano. Je fais de la merde. C'est le mécano. Faut qu'il reste rapide le mécano. Bon, on le récupérera sur le reste, pas là. La bouteille, non, pas renforcée. Voilà. Ah, j'ai plus de thunes pour les équiper. Ça c'est beau. Bah, je suppose qu'il va falloir que je paye pour vous équiper pour vous. Hein, premier soin vieux. Et bah mitrailleur. Bravo. La douleur. La douleur, ils sont même pas d'uniforme décent. C'est la douleur. Quoi, t'es sérieux, y'a que des missions à risque. Oh, la douleur.
Est-ce que le jeu deviendrait impossible à partir de là? Est-ce que le jeu est mal fait au point de nous empêcher de faire notre mission? Surtout qu'il y a, il y a un as en plus. Alors là, là je veux savoir. Là je veux savoir. On n'arrêtera pas cette vidéo parce que c'est peut-être la fin cette vidéo. Faites voir vos postes. Ferguson. Tu es là toi, ok. Anderson, tu es à la fin. Ok, c'est parfait, bah, c'est très bien. Vous êtes très bien placé par contre. C'est magnifique. Ça fait terriblement assis, genre j'ai un équipage, ils sont tous armurés et tout. Et les trois seuls qui sont black, ils ont pas de matos. Bon, on sait tous que c'est pas volontaire, mais sur le coup, voilà, ça fait genre trop raciste, man, quoi. Allez, faisons des économies de carburant. Surtout qu'on a un chasseur de base, non? On a un peu de carrosserie, on a un peu de matos. Ça m'a l'air très de base tout ça, si tu veux mon avis. Je sais plus ce qu'on doit faire dans cette mission, mais je sais qu'on doit le faire. J'en suis convaincu. Radio de reconnaissance, j'ai déjà le marquage auto. Ah bah oui, ils sont pas tous morts non plus. Hein. Ça y est, moi je m'envoyais avec tous les gars morts, mais non, pas encore. Ils sont pas encore tous morts. Hein. Pas encore. On recolle automatiquement, s'il vous plaît. Je juge pas le temps pour ces conneries à lui. Là. Anderson, Anderson, t'es au fond, c'est Ferguson qui est devant, s'il te plaît. Hop, ici, fourniture, ouvre les portes, merci. Anderson, concentration, s'il vous plaît. Partez-vous les deux. Je crois qu'on vient de passer au-dessus. Hein. On est passé au-dessus. Aller chercher, il y a trop de monde d'équipe. Oh, il a éventré le truc en deux, le salaud. Hop. Deux, s'il te plaît. Dépêche-toi. Ah, vieux, t'as plus de munitions, va chercher des mules. Ça va se passer dans la douleur. Sortez-le, par pitié, sortez-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah mais il les a tous tués. Genre il en a tué deux d'un coup. C'est une blague. Ah je suis équipé en full parachute. Ma vie est dégueulasse! Tronché tata. Ouais, bah surtout rester bien planté au milieu, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Anderson, je sais pas qui c'est, retourne bosser là. Ah, c'est pas toi, d'accord. Toi, retourne bosser. Va bosser là-bas. Crève, tu crèves, hein, c'est pas grave. Tu déranges pas. Ferguson est mort. Formidable. Concentration, s'il te plaît.
Ah, on l'a tombé. On a tombé l'allemand, on a tombé le mec. On est dans quelques secondes, ils sont morts. Ils sont sérieux, ils m'ont mis que des packs dégueulasses de coups. Trucs qui servent à rien, ils m'ont mis un seul truc qui servait à quelque chose. Ah ouais, il va crever, hein, sous les choses. Putain. Ils sont tous morts, hein. On va se mentir. Hein. Et là, je peux quitter. Arrête avec les crâteaux. Intégré. Oh, ils sont tous morts avant que je puisse faire quoi que ce soit. Allez, j'avais pas de quoi les équiper, ils se sont fait éclater. Bon bah c'était bien. Ah putain, le jeu qui m'a mis de la merde. Parce qu'au début, bon, je me suis dit bah c'est pas grave, je regarde pas, parce que je pensais qu'il allait vraiment me rendre un avion extrêmement reset. Et non, en fait il m'a rendu juste un avion, mais il me l'a équipé de merde avec des... Enfin, je suis sûr que je dois avoir plus de sacs que de mecs à bord là, de parachutes que de mecs à bord. Ça ne veut rien dire, ouais, bah ils sont pas tous revenus. L'autre 8000 livres, hein. Bon, en même temps, ça commence à être dur à affronter, quoi, on va pas se mentir. Allez, tous ceux qui sont morts, voilà. Évidemment. Donc, il va falloir qu'on repasse au recrutement, c'est pas grave. On va repasser par cette session là. De toute façon, ce coup-ci, on a de l'argent, donc on pourra les équiper convenablement. Et j'espère qu'ils se font pas abattre. Et comme quoi, il est vachement important de blinder ses artilleurs à l'infini. Bah, tiens, hop. Blindage 3, parfait. Grenadier, blindage 210 de move. Ouais, enfin 110 de move ne sert à rien, mais le reste m'intéresse. Je te prends. Voilà. Bon, on a quand même que 2 morts, donc ça va. On n'a pas non plus écopé. Ça n'a pas été non plus trop douloureux. Ok. Ramenez-moi toute la squad. Au fait, pourquoi toi t'as plus ton petit gilet? Petit gilet de Noël. Il est où ton petit gilet de Noël? C'est où ton petit gilet de Noël, gros? C'est le casque et tout. Et il est où le petit gilet? Les petits pulls. Le petit pull. Ah, le petit pull de Noël, tu portes quoi là? Ah, combinaison de thermique 3, bah oui, évidemment. Au bout d'un moment, tu laisses tomber le petit pull de Noël à ce prix-là. Sylvia, combinaison. Oh, bah t'es full équipe. Ah non, t'es pas full équipé. Puis t'as le casque. Ça. T'as pas l'oxygène. Tu es mécanicien, donc mécanicien, tu dois être équipé de manière assez légère. Voilà. Ton gilet de survie et non, rien du tout. TRS maritime, pare-balles moyen non plus. Je crois que c'est le léger, hein, toi. Hein. C'est le léger, ma fifi. Hein. À moins 5 quand même le léger. Hein. Vas-y, équipe. Les gants. Mitaine. Mitaine en laine, excuse-moi, voilà. Bottes. Bottes en toile, non, peut-être pas forcément. Ouais, j'ai pas forcément envie de perdre non plus. Ouais, allez, ce sera les bottes en toile, tu te déplaceras vite. Bravo. Ira Grey, c'est bon. D'ailleurs, est-ce qu'on peut te renommer?
t'appelleras Gray tout court, comme le gris. Mince. Tu seras gris et tu seras Cartman. Parce que depuis le temps, hein, tu seras Cartman. Voilà. C'est bon, c'est bon. Les trois nouveaux. Les trois nouveaux. Alors, les trois nouveaux, c'est parti. Équipe. Équipe pour tous, hein, c'est 280. Ceci dit, hein, tout le monde a la même tenue. Hein. Ouais, vol de combinaison thermique, c'est la même pour tout le monde. Hein. Casque, hein, équipe. Oxygène. Renforcé, équipe. Le gilet. Le pare-balles moyen, équipe. Les gants, cuir renforcé. Bottes, cuir renforcé. Ok, pareil pour les deux autres. Cuir renforcé, ma poule. Bon, cuir renforcé, ma poule. Le gilet pare-balles, c'est le moyen. Oxygène, le renforcé. L'équipement de tête, le casque. Combinaison de vol, tu l'as déjà, et on est bon. Suivant. Finlay, tu as déjà. Équipement de tête, le gros casque bien blindax, l'oxygène MK2, le gilet, le pare-boule, les gants de cuir, et les bottes de cuir renforcé. Et voilà. Voilà mes poulets. Vous êtes magnifiques, regardez. Un fil d'équipe. On reconnaît les trois artilleurs des trois qui font de la manip classique, qui ont pas de renfort, qui ont pas de blindage en fait, et qui ont juste du chauffant sur eux. Et le coureur de fond, bien sûr. Enfin, ou la coureuse de fond, je sais pas. Donc là, tu es mitrailleur. Ouais, mais t'es lequel? J'ai deux mitrailleurs niveau 5. J'en ai un qui est peut-être plus rapide que l'autre. Le plus blindé à l'arrière, ça c'est sûr. Ah, ceci dit, qu'est-ce que je m'embête, tous les deux sont en premier soin. Et filet, toi par contre t'es mitrailleuse. Voilà, on est bon. Avion, on va aller régler tout de suite ce problème, ce pseudo délire. Voilà. Peinture de base, on a quoi du coup? On a l'espèce de verre marron dégueulasse. Ouais, ok, au fond on a le Percy le pigeon. Ah, il a sauvé tellement de monde. On pourrait se marquer, être en peinture Percy le pigeon. Sinon le petit bleu nuit. On installe le bleu nuit, c'est parti. Le bus boomerang. Pas inspiré là. Ah, j'ai pas d'idée là. On revoit nos marquages nuls. C'est parti. Pas d'important. Dernier, c'est quoi? C'est en rouge. Ah. Non, blanc, ça me paraît bien du coup. Ouais, noir, noir, c'est pas mal aussi. Blanc. Modifier le texte. War, reporter, crew. Voilà. J'aurais pu aussi l'appeler White Flag pour pas se faire descendre trop vite. Voilà. Donc installe, hein. Pas de problème. Moteur. Ah d'accord, on a gardé les moteurs en MK. Ah, ça nous a redescendu d'une gêne en fait. J'ai l'impression. On a perdu quelques générations de matos, mais on n'a pas tout perdu. D'accord. Ok. Donc en queue, on va passer en MK2. MK2 bande à munitions. Cet objet rendrait trop lourd le bombardier. Moteur. M4 standard. Merci. Tourelle. Merci. La dorsale, c'est M303. C'est de la merde aussi. Ouais, mais j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Bon, j'ai rééquipé déjà l'équipage, donc ça c'est pas mal. Je pense que j'allais me chauffer dans une mission ou deux. Voilà, une mission où c'est pas trop compliqué. Avantage 1, opération nombre de flaques. Non, de la merde.
Non, l'autre là. Ouais. Dégâts réduits. Ah, pas mal. Alors ça peut être bien surtout pour chauffer. Et s'assurer un peu de survie. En même temps là on peut, normalement on a le niveau pour le faire. On a un full équipage qui est compétent. Voilà, bon je vous embête pas plus, je vais faire cette mission hors caméra. Et puis on se retrouve dès que j'ai un peu plus de matos. Des bisous, c'était Gnarfox sur Comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew. Ciao!